Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On se retrouve pour la découverte de A Plague Tale Requiem. Je suis super méga impatiente de commencer le jeu. J'ai joué à A Plague Tale Innocence, vous trouverez la playlist sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à regarder. Et je suis super méga impatiente de tester la suite, découvrir ce qu'il va se passer. Chapitre 1, sous un nouveau soleil. Royaume de France. Avec les criquets. Oh, déjà la musique. En juin. Il est juste derrière, la poussière qui va nous attraper. Cours, Hugo. Oh, on est déjà en pleine action. Il a changé, Hugo, non? Saleté de Rance. Vous êtes trop rapide pour moi. Allez, le sorcier, attrape-nous. Hey, ralentis. Tu vas épuiser notre méchant. Ça, c'est ta tour. Elle est maléfique. Ça lui arrive d'être fatigué. Il faut que je retourne à mes études. Oh, fais un effort. Le voyage a été très long aujourd'hui. Pitié, ma mère nous a dit de tout faire pour l'épuiser. Sois fort, sorcier! Le combat est loin d'être terminé. Votre mère va se demander où on est passé. La route a été longue. Tu as le droit de te dégourdir les jambes. Oui. C'est parti. C'est magnifique. Attendez, je regarde autour. Amicia! C'est beau. Qu'en pensez-vous? On court. Hugo, tu vas suer comme un bœuf. C'est moi qui suis comme un bœuf. C'est bon pour toi. J'adore ton nouveau chez toi. C'est un château. D'accord. Lucas le perfide attaque mon château. Oui. Et je vais te transformer en scarabée! Amicia! Il est trop fort! Il faut qu'on se cache! Ok. Oui. Je vais compter jusqu'à 10. Ensuite, je viendrai vous chercher, roi Hugo et... Amicia l'Amazone! Évidemment. Alors maintenant, filez! Viens, Amicia l'Amazone! On doit trouver une bonne cachette! Je serai à vos côtés, trois, Majesté. 4, 5, bien, gardons-le six, à l'œil maintenant! 7, oui! Vous gardez à l'œil. 9, 10. J'arrive. Il arrive, il arrive. Où est-il? Il est là-bas. Attendez, attendez. Je sens votre peur. Moi, Lucas, perfide parmi les perfides. Je jure que je ferai un ragoût avec vos doigts de pied et que je le mangerai. Il est horrible. Vous êtes futés! Je vous trouverai de toute façon. Est-ce qu'on peut... Attendez, attendez, attendez. Oula. Tu sais quoi? Nous aussi, on devrait le chasser. Ah oui! Ok, ok. Attends, attends. Il fait quoi? Partir étudier maintenant. Lucas. Ah, déjà ?
Écoute, si je veux devenir alchimiste... Mais tu es déjà un alchimiste. Je suis toujours l'apprenti de ta mère. D'accord, retourne à tes études. On va rester encore un peu. Bien. À plus tard. Viens, allons voir le reste de ce château. Comme vous voudrez, mon bon roi. Ok. Je sais pas si aller sans lui, c'est une bonne idée. Rester. Moi aussi. Sans lui, on ne serait pas ici. Je peux monter sur ces rochers? Vas-y. Mais ne tombe pas. Je tombe jamais. Oui, oui, bien sûr. Le roi Hugo patrouille sur les remparts de sa forteresse. Et qu'est-ce que vous voyez de là-haut? Mon royaume. Est-il prospère? Il l'était, mais Lucas l'a attaqué. Ah oui, le sorcier maléfique. Oh, une rivière. C'est la mer. Patrouillons par là. C'est très joli. Ouais. Alors ? Mon royaume s'arrête ici. Cette branche, c'est la frontière ? Oui. Pourquoi pas ? Attention, Amicia, l'Amazon ! Navire ennemi en vue ! Ils vont nous attaquer ! Oh non ! Qu'allons-nous faire ? Reste à la frontière et coulez avant qu'ils passent. D'accord. Ma puissante fronde est vôtre. L'armée du sorcier est en route. Je les vois. Nous sauverons votre royaume, Majesté. Oui, continue. Voilà d'autres bateaux. La magie noire ne souillera pas ce royaume. Que de la bonne magie. Oui, le roi applaudit. Qu'ils viennent, je les écraserai. L'envahisseur était en nombre. Mais nous l'avons repoussé. Parce que nous sommes la maison de Rune. Bonjour. Oh, bonjour. Bonjour. Je passais par ici et j'ai entendu ta fronde. Oh, c'est vrai que ça fait du bruit. Je voulais vous demander, je peux jouer avec vous? Oui, mais qui es-tu? Je m'appelle Tona, j'habite dans le coin. D'accord, nous sommes Hugo et Amicia. Tu sais tirer, Tona? Évidemment que je sais. Chouette, je suis le roi et elle, c'est ma capitaine. Et on se bat contre l'armée d'un sorcier. Moi, je tirerai avec le canon. Alors, engageons le combat. T'es fort. Ils arrivent encore. Et je continuerai à les couler. Nos défenses sont trop solides pour eux. Soldats Tona, continuez à tirer avec le canon. Ouais. On leur botte les fesses. Leur vilaine bête. Du calme, Majesté. Vous commencez à parler comme un petit démon. C'est la fin. Pas le moment de faire des manières. Très bien, donne-leur le coup de grâce, Tona. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Attention, boulet de canon! Non, Hugo, à couvert! D'accord, c'est bon, les garçons, vous avez gagné, ils se rendent. Reddition acceptée. Faut que je vous laisse. J'ai du travail. Du travail? Oui, à la ferme de mon père, avec mes frères. Est-ce que tout va bien? Je dois y aller. Salut. Bon courage. Au revoir, Tona. Il était gentil. Allez, en route, Majesté. La guerre est finie. Suivons le cours de cette rivière. Tu en as coulé des tonnes. Bravo, capitaine. Et Tona était gentil. Oui, c'est vrai. J'aimerais bien avoir un copain comme lui. Je sais. Mais on s'installera bientôt pour de bon et tu t'en feras des amis. Tu es sûre? Dès qu'on saura comment tu vas. Ça pourrait prendre longtemps. Pas cette fois. Cette fois, c'est différent. Je le sais. On va devoir grimper. Cette fois, c'est toi qui me hisse. Quoi? Je plaisante. Je vais t'aider. Et puis d'abord, t'es trop lourde. Oh, comment oses-tu? Un jour, je pourrai le faire. Château est immense. Qu'en dites-vous? On l'attaque? D'accord, je suis prêt. Maintenant, chargez! Chargez!
La porte est fermée, capitaine. On fait quoi? Laissez-moi voir. Ah! C'est fermé. Ils nous ont vu venir. Là, un passage secret. On va se faufiler. Oui, c'est un bon plan. Oh, je sens le mal tout autour de nous. Il fait un peu noir ici. Allez, mon roi. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on entre en douce. Oui. Chut. Oh, les troupes du sorcier ne doivent pas être loin. C'est vrai? Tu t'es fait mal? Non, mais je veux rentrer maintenant. Je suis d'accord. Ça suffit pour aujourd'hui. Oui. Amicia, il y a des habits et à manger. C'est habité. On a cassé leur plafond. Ils ont peut-être entendu. Soyons prudents pour l'instant. Tu sens ça? On dirait une cheminée. Oui. Quoi? Tout est brûlé. C'est récent. Ces paniers, ce sont des ruches. Mais pourquoi elles sont brûlées? Je ne sais pas. Pas un bruit, on s'en va. Ça sent le caca. Est-ce qu'on peut passer par là? C'était peut-être un accident. Où sont les habitants? On est tombé ici par accident. Montrez-nous le chemin et on part. Mensonge. Je vous le jure. Je sais pas ce qui se passe ici, mais on n'a rien à voir avec tout ça. Mensonge. Vous êtes des voleurs. Je vais vous couper en morceaux. Cours. Venez ici. On doit sortir d'ici. La porte. Oh, non, non. Viens. Vous êtes coincés. Là. Il nous suit toujours. Cherche un moyen de sortir. Cette fois, j'en ai trop. Vous voyez pas comment vous laissez vous échapper. Par ici, il ne nous suivra pas. Vite! Voleur, vous essayez de voler le bruit de saveur. Laisse-toi, vite! Je ne reviendrai plus, je te jure! Attrape-le! J'arrête! Pitié, laisse-moi! Je vous en supplie! Non! Non, pitié, non! Il aurait fallu y penser avant de nous voler avec ta bande! Chut! Non! Bon sang, Mathias! C'est comme ça qu'on s'occupe de ces gens-là. J'en ai manqué deux. Un garçon et une fille. Tu les as pas vus? Non. Cet homme par terre est le dernier qu'on ait eu. Bon, tue-les si tu les trouves. Il faut qu'on parte d'ici. Oui, vite. Ils sont fous. Quel gâchis. Maintenant, tu vas faire quoi? Ils vont nous tuer. Non, ils ne nous verront pas. T'es mort. Mathias, viens. Ils ont salement amoché grand-père. Non. Amicia, non, Amicia. Non. Grand-père. Oh, c'est pas bon. Père devrait rentrer du marché dans pas longtemps. On pourrait se cacher ici. Il nous trouverait. Mais on doit continuer. Et quel bon sang. Seigneur. Attention. Arrête de pleurnicher. Il y en a sûrement encore aux alentours. Va aider les autres. Je me sens pas bien, Mathias. J'en ai rien à foutre. C'est... Il bougera pas. Je t'en charge. Tu t'en charges comment? La boîte à outils. Ça va faire du bruit. C'est la dernière fois qu'il vient ici. Non, va voir là-bas. C'est une fronde, ça. Les intrus, à l'attaque. Bon sang. Cours, 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 Hugo, cours, cours. Prends la porte. Vite, vite. D'accord, ok, super. Comment je fais pour te taper? Lâche-moi la main, s'il te plaît. Non, mais lâche-moi la main. Je peux pas. Retenez, je fais quoi? Je me cache. Tu me vois pas? Je me cache et tu me vois pas.
ça. Il va falloir qu'on grimpe. En silence. Tana, ramène ton cul ici. Ah. Tout de suite. Faut grimper ça là. Te démolir. Ah, où ça? Oh non, c'est la maison de Tana. Peut-être qu'elle n'est pas encore rentrée. J'espère. Imbécile, là. Ne laissez pas partir. On est repérés. Vite. Yes. Attrapez ces intrus. Essayons par là. Au moins, ils n'ont pas touché à son temps. Quelque part. Quelle porte? Si je le lance derrière lui. Pourquoi derrière lui? C'est la plus grosse erreur de notre père. Et je vais arranger ça. Arrête! Hugo, reste derrière moi. Quoi? Vous êtes qui, vous? On s'est perdu. On s'en va. Mais laissez-le partir. T'entends ça, Rémi? T'es avec ces voleurs? Non. On vient d'arriver. Écoutez, c'est notre faute s'il était en retard. Vous avez rien à faire ici. Rémi, occupe-toi d'elle. Et me déçois pas, compris? Mais le garçon, il a le bon âge pour apprendre. Vous auriez pas dû venir. Tu risques de le regretter, crois-moi. Tu chacasses trop. On dirait un phénix. Thank you.
Amicia? Me fais pas de mal. Où on est? Non. Oh non, ça recommence. J'ai besoin d'aide. Attends. Attends-moi. Tu es tout seul ici? Où est Amicia? Je dois repartir. Je veux ma sœur et ma maman. Peut-être qu'il sait où elles sont. Oui, elles sont peut-être par ici. C'est quoi ses yeux? Il m'a fait peur, hein. Lucas! Vous êtes où? Je me sens pas bien. S'en va. C'est grâce à l'eau. Tu m'as sauvée. Merci. Est-ce que je peux revenir? Avec quelqu'un? Tu te réveilles enfin. Tu as bien dormi? J'étais en plein rêve. Où est-ce qu'on est? Tu as encore rêvé de ton île? Oui, je... J'étais malade, et un grand oiseau est venu. Il m'a sauvée. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé, Amicia? À la ferme? On est avec la maman? On jouait ensemble près de la rivière, tu te souviens? Mais tu t'es sentie très fatiguée, tout à coup. Alors je t'ai portée sur le retour et tu t'es endormie. C'est peut-être juste un manque de sel dans ton sang. Mais, Amicia... On a fait une longue route, Hugo. On est tous fatigués.
Mais la ville rouge est proche. On te fera examiner là-bas. Et nous rencontrerons un grand alchimiste de l'ordre. Tu te rends compte? Ils connaissent très bien la macula. Ils l'étudient depuis des siècles. Pourtant, personne n'est venu nous aider en Guyane. Donc on prenne la fuite. Ils ignoraient que l'Inquisition s'en prendrait à nous. Ils sont prêts à nous accueillir maintenant. Eh bien, j'espère que ce sera un bon accueil. C'est certain. La macula n'est pas seulement dans le sang du goût. Ça concerne le monde entier. Et ça pourrait tout changer. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Soyons prudents. Voyons voir. Bonjour. Bonjour. Que se passe-t-il? On cherche une fille et un garçon. Qu'ont-ils fait exactement? Ils se sont introduits sur une propriété. Ça a mal tourné et ils ont tué des hommes. Le plus jeune frère a tout vu. Oh, c'est terrible. J'espère que vous trouverez les coupables. Je l'espère aussi. Il s'agit de mes neveux. R, il faut partir. Maintenant. Oui. Navré, mais nous avons une longue route à parcourir. Bonjour. Ce ne sera pas long. Le garçon! C'est eux! Viens là! Non! Non, attendez! Non! Magicien! Toi, rattrape-les! Ne la laissez pas filer! Je sais que t'es quelque part par là! Montre-toi! Pas fronde! Oh, elle est restée dans le chariot! Moi? Avance! Reste là! Elle doit pas être loin! Ouvre l'œil! On devrait aller la chercher dans les champs! C'est ça! Partez loin! Attention! C'est une teigne! Elle pourrait être juste à côté de toi! On a de la compagnie! Faut fouiller partout! Le chariot! Ils ont besoin de toi! Hugo a besoin de toi! Bon! Ils ont dû descendre! Dépêche-toi! Le couvert! Attention! Tu peux le faire! T'as vu comment ils ont dévoré Mathias et Rémi? Comment on se débarrasse de monstres comme ça? Il faudrait essayer de leur couper la tête. On appellera un prêtre si besoin. Continue. Si tu meurs, il meurt. Hein? Je suis sûr que vous êtes là-bas. Si jamais je vous attrape... Par ici! Je les vois! Je les ai vus se cacher par là! Je m'en occupe! Alors, c'est tout? Dispersion! Ils sont pas loin! J'y vais! Hein? C'est sûrement eux! Ah, vous... Ah! Chopez-les! Descends! Oui! Elle est là! Non! Tu vas tout brûler! Nom d'un chien! M'en fous! T'as tué mon fils! Brûle! Non, non, non! Cours! La maison! Tu vas mourir, sorcière! Là, des intrus! Salopard! Il fallait
Il respire. C'est le choc. C'est fini. Tout va bien. Tout va bien. Pourquoi on tremble ? C'était le prologue, mes amis, de A Plague Tale Requiem. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ah non, c'est le chapitre 1. Qu'avez-vous pensé du chapitre 1 ? Eh bien écoutez, je vous remercie d'être revenu. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez du jeu. Moi j'adore, je suis super méga impatiente de continuer, de découvrir la suite de l'histoire. Le jeu est magnifique, les musiques sont magnifiques aussi. Vraiment, hein, au niveau du scénario, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe quoi. Donc j'espère que vous avez autant de plaisir que moi. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à la vidéo, la partager autour de vous, ça m'aide beaucoup si vous le faites. Donc merci infiniment. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas fait. Et surtout, prenez soin de vous. C'est le plus important. Profitez bien de votre soirée et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.